Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de contenu et j'ai vu qu'en ce moment il y avait une hype sur Amour Sucré, donc ça m'a donné envie de retourner jouer à ce jeu. Je vous avoue, j'étais plus team ma bimbo. Par contre, pourquoi je suis orange là? Ça va pas? Je sais, faudrait que j'apprenne à utiliser cette caméra, bref. Du coup c'est parti, alors faut que je retrouve mon mot de passe déjà. Alors si c'est ça, si du premier coup j'ai, oui du premier coup j'ai, l'interface elle a changé, oh my goodness. Allez c'est parti, on enregistre, voici l'interface, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas été. Mon nom c'est Emma1345, c'est nul, je suis perdue. Mon profil, mon apparence, déjà la tenue de Noël ça va pas, ça va pas, statut en ligne sexe, nombre d'illustrations 24, meilleur l'homme. O.M. meilleur l'homme, ok. Castiel, alors ça je m'en rappelle, je sais que j'étais avec Castiel parce que ma soeur voulait que j'aille avec Castiel parce qu'elle aussi elle avait Amour Sucré et du coup elle voulait voir un peu l'histoire, elle m'a fait tiens vas-y essaye de tenter Castiel et tout, donc c'est pour ça que j'ai choisi Castiel et ça m'arrangeait très bien parce que j'aimais pas les... en fait je les aimais pas j'aimais aucun des mecs. Date d'arrivée 2013, j'avais quel âge? Je devais avoir 12 ans du coup. Dernière connexion aujourd'hui. Ok, donc ta progression, mon apparence, j'ai que deux coiffures, ok, bah, ah, ok, enfin quelque chose de, mais c'est quoi le problème, pourquoi genre, ah ça c'est mes perruques, ok, c'est mignon. Ensuite, la couleur de cheveux, oh super, tu peux changer, trop bien, voilà, je vais me mettre en blonde, non j'aime pas, ça me va pas, le blond ça me va pas, hop, tu changes, tu peux changer tes yeux. Bon, on va pas tout faire, hein, mais tu peux vraiment choisir ton apparence. Pourquoi les hauts, ils marchent pas avec ma jupe? Ça, j'aime bien. Ce haut-là, il est trop beau. On est d'accord. Un petit haut jaune et tout. Hop, hop, hop. Très sexy, très sympathique. Ça matche pas avec ma jupe. Ça matche pas avec ma jupe. C'est pas beau. Et on va changer. Je vais mettre un pantalon. Voilà, parce que la jupe, ça matche pas. C'est bien, ça. J'espère que vous validez mes goûts vestimentaires. Très à la mode, très années 2000. Et voilà, et on remet les ballerines à la mode. Je suis une personne qui va bientôt acheter des ballerines pour moi-même. Donc, ensuite, nous passons encore à l'exploration du truc. Donc, mon appartement. Ah, faut le petit cupcake le prendre. Félicitations, tu remportes un cadeau pour High School Life. Ok, super. Là, il y a mon placard. Tu peux retourner pour changer de tenue. Le forum, ok, donc là, tu discutes avec les autres joueurs. Messagerie, je sais pas. Je pense que. Voilà, contact. Ça doit être ma sœur. Hein. Et ma 130. Je vais vous montrer mes illustrations. Alors, tu peux rejouer les épisodes. T'as des épisodes et à chaque fin d'épisode, t'as des illustrations. Donc, première, du coup, tu débloques pas toutes les illustrations parce que du coup, ça dépend de avec qui tu sors. Donc là, j'ai dû sortir avec Nathan. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est qui? Je pense que c'est Lisandre. Lui, c'est qui? Je sais pas, eux. Bah en fait, je sais plus. C'est qui, eux? C'est peut-être moi. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Moi, ce que je voulais, c'est que tous les personnages m'aiment. Et après, en fonction du jour à laquelle je me connecte et de mon humeur, je choisissais avec qui je voulais sortir. Voilà, c'était ça mon délire. Et genre, pour moi, chaque épisode, c'était un mec différent, tu vois. Donc, j'avais pas trop une trame dans mon histoire. La ville et le lycée. Donc, le lycée, je pense que... Ok, donc là, si je vais au lycée, je continue l'épisode. Donc, épisode 13, on monte le son. Pump it up, première partie. Qui donc embrassait Ambre? Ah, bah c'est l'illustration de... où je savais pas si c'était moi. Bah c'est Ambre, c'est ça. Qui donc embrassait Ambre? Épisode 13, voilà, c'est elle, c'est pas moi. Moi, j'étais habillée en Noël. Non mais je sais pas, je pense que ça aurait été plus clair. Voilà, je pense que j'aurais ressemblé à ça, un truc comme ça. Mes épisodes. Qui donc embrassait Ambre? Et réussiras-tu à convaincre tes amis d'organiser ce concert au lycée? Du travail d'équipe et de nouvelles rencontres en perspective. C'est parti. Continuez l'épisode. Donc, nous avons bientôt terminé. Ah super, j'ai hâte de voir cette pièce complètement vide. Ce qui me saoulait le plus dans Amour Sucré, c'était les PA. Genre, tu pouvais pas avancer ton histoire comme tu voulais. Alors, je vais prendre le tapis, tu pourras transporter la chaise qu'il y a à côté. Je crois me... Donc, il me donne des ordres, ok? Je crois me souvenir que la directrice désirait la prendre pour la salle des profs. En le déposant dans la salle, des délégués, elle pourra la prendre sans problème. D'accord? Faisons comme ça. Donc, objet reçu, chaise, objet terminé, nouvel objectif, range la chaise. À ce que j'ai compris,
tu dépenses plus tes PA de quand tu marches, mais plutôt par rapport au dialogue. Face à des délégués, alors parfait. Tu vois, en commençant par le plus difficile, la suite est beaucoup plus agréable. Mais en fait, genre, ils te donnent des directions de savoir où, qui va où. Effectivement, la prochaine fois, je ferai la même chose. La prochaine fois, j'espère que nous n'aurons pas à faire ça tous les jours. Moi, si, ça voudrait dire que d'autres événements seront prévus. Je ne pensais pas que cela t'emballerait autant. C'est assez motivant, je dois dire, de voir un tel en train. Ah, tu trouves ? Retournons au sous-sol, allons-y. C'est parti, j'ai combien de PA ? Combien de temps je pourrais jouer ? Ça, je sais pas. Je me rappelle, je sais que je voulais que tout le monde m'aime. Genre, que la barre là, que vous voyez, soit au maximum, soit à 100%. Là, je suis à moins de 35. Et c'est fou comment on se débat. Mais je crois qu'à la fin, je faisais un peu n'importe quoi. Genre, je m'en fichais des dialogues et tout. J'étais pas du tout à suivre la trame de l'histoire. Effectivement, c'est agréable, surtout lorsqu'on s'est donné du mal pour arriver à un tel résultat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout le monde est parti. Oui, nous sommes les derniers. Ah d'accord, à demain alors. Mais en fait, je pense que je lisais pas vraiment tout. Je sais plus. En fait, j'ai plus vraiment de souvenirs de ça. Je suis rentrée chez moi en vitesse, histoire d'éviter de me faire sermonner. Mais la nuit commençait à tomber lorsque j'ai passé le pas de la porte. Je suis retournée au lycée le lendemain, prête à continuer les préparatifs du concert avant tout le monde. Salut, bah voilà, 60%, c'est lui mon mec. Mais je sais que je l'aimais pas parce qu'il me parlait, il parlait mal, il parlait trop mal. Genre moi j'étais gentille et tout et lui il me taclait. Je le prenais très mal, je le prenais très très mal. Donc salut, tombe bien pour une fois que c'est moi qui te cherchais. Déjà, première phrase, il m'a saoulée. Tu ne m'as pas encore dit qui allait jouer avec Lisandre et moi sur scène. Et bien les membres de votre groupe? Non? Haha, t'es sérieuse là? Oh, mais qu'est-ce qui m'énerve? Mais qu'est-ce qui m'énerve? Mais on est que deux. On parle de groupe parce que Lisandre écrit des chansons. Et ma carrière s'est arrêtée. Mais là, je me prends au jeu là. On parle de groupe parce que Lisandre écrit des chansons et j'en compose la musique. Mais il n'y a personne d'autre. Il va falloir trouver des joueurs. Ah ouais, en plus, c'est moi qui dois trouver des joueurs. Non mais. Wesh, rapidement si je veux. Si je veux que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'ait pas servi à rien. Et jouer à deux, c'est très bien, jouer à deux. Bravo, tu as terminé l'épisode 13 déjà. Mais j'ai pas d'illustration, on est d'accord? Commencez l'épisode suivant. Mais j'ai pas d'illustration. Aïe. Là je vais essayer d'être avec Lisandre parce que Castiel il me saoule. Tu crois qu'on peut commencer à faire de la pub pour le concert? Évidemment, si on veut que du monde vienne, il faut en parler en dehors du lycée. On pourra faire des affiches. Va pour les affiches, les hommes sandwich en revanche. Très mauvaise idée. Dommage, ça aurait été marrant. Je vais m'occuper des affiches qu'on pourra faire. Bah voilà un mec qui prend les choses en main. S'il a des idées, bah qu'il les fasse. Genre, on pourra faire... Je croyais que c'était moi qui allais encore devoir faire les affiches. On pourra faire un montage sympa avec Violette, un truc à coucheur super. C'est génial. C'est surtout à toi qu'il faut souhaiter bon courage. T'inquiète pas, je vais m'en sortir, je me doute pas. Je viendrai te voir lorsqu'on aura décidé de ce qu'on va faire avec Violette. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Qui est Violette? Je ne sais pas. Bien, je vais aller voir Lisandre, histoire de savoir ce qu'il manque au groupe. Il a déjà chanté sur scène après tout. Salut, tu as bien joué, tu as bien dormi, tu as bien révisé. C'est qui? Est-ce que c'est un chanteur? Je sais pas, on va lui dire, t'as bien dormi? Je dors jamais beaucoup. Entre dormir et faire level up, c'est perso, mon choix est tout fait. Ok, c'était des jeux vidéo. Pourtant, tu es là en pleine forme. J'ai l'habitude maintenant, c'est pour ça. Ok, cage d'escalier. Bonjour Lisandre. Quand tu as chanté sur scène, tu étais avec combien de musiciens? 3. 2 guitaristes et un batteur. Mais je doute que mes contacts acceptent de se produire dans un lycée. Ce n'est pas grave, je vais trouver. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Pourtant, je ne le suis pas. Je n'ai pas trop le choix. Ah, désolé. J'ai pas le choix. Bah non, je suis dans la merde en fait. Je vais tout de même demander aux musiciens que je connais. S'ils ne peuvent pas venir, on sait jamais. Super. Je ne veux pas non plus demander à Nathaniel. C'est Nathaniel son prénom. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'est pas du genre à jouer d'un instrument. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Oui, je suis un pro à la batterie, sérieusement, mais c'est génial, on cherche justement quelqu'un qui sait en jouer. Ouais, je te jure, je bats tous les records, si vous avez besoin, il n'y a pas de problème, je veux bien aider, tu me sauves la vie. Tu es sûre que tu es capable de jouer avec Castiel et Lisandre? Tu me sauves la vie, on l'engage. À ce point, ravi que je te rende service, et chouette, j'ai un batteur. Je sais pourquoi j'étais du père quand j'étais petite, parce que, en fait, je ne disais pas tout, ça me saoulait. Moi, ce que je voulais... C'est juste choisir les réponses, ça je me rappelle. Du coup, j'allais assez vite et je lisais pas trop les ordres qu'on me donnait. Et genre là, je choisissais ce que je voulais. Mais en fait, du coup, j'avais pas toute l'histoire et c'est pour ça que je comprenais pas. Est-ce que tu penses qu'il serait utile de tenir un registre de personnes qui vont assister au concert? Il est très droit, comme vous pouvez le voir, il est très carré. Le registre des personnes qui vont assister au concert. Pourquoi? Ça ne serait pas beaucoup de travail pour pas grand chose. Ça peut être une bonne idée, oui. Ça peut être une bonne idée, oui.
Tu trouves ça pourrait être utile pour plus tard? Nous serions qui contacter si nous faisions de nouveau un événement de ce genre? J'imagine. Je suis pas convaincue. Pourquoi cette question? Eh bien, bah voilà, t'as vu? Là, j'ai pas lu et bah du coup, je sais pas quoi répondre. Pourquoi cette question? Quelle question? Eh bien, tu n'as pas l'air d'être au courant que 3 musiciens et un chanteur peuvent suffire. Je lui réponds ça parce qu'il est chiant. Je te chambrerai, c'est tout, je le sais très bien. Il faut même un deuxième chanteur pour faire les chœurs lorsqu'il y en a. Il faut trouver quelqu'un pour chanter avec les hommes alors. Non. Et je viens de dire que... Je viens de dire que non. Ah ok. C'est elle, Violette. Je sais plus dans quel contexte on avait parlé de Violette. Non, enfin, je m'amusais à faire du son différent en tapant la vaisselle avec mes fourchettes. Ah non, désolée. Je suis désolée, je ne peux pas pouvoir aider plus. Tu as déjà fait les affiches avec Alexis, c'est bien. Ok, elle faisait les affiches avec Alexis. 10% d'amour, j'aurais mis plus. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Ok, super, elle fait les affiches. C'est bien, elle est un peu l'âme d'une artiste. Je sens que nos affiches vont être très belles. Je sais plus qui c'est, je ne sais plus qui c'est. J'ai le souvenir, en fait les nouveaux persos, ils sont apparus trop dans un temps hyper court de ma vie. Et donc je les ai oubliés. Tu sais jouer d'un instrument toi? Tu sais pas jouer de la guitare alors? Non, mon père pense que c'est pour les délinquants. Ah ouais, oula. Et quand tu vois Castiel quelque part, il n'a pas vraiment tort. Ça va les clichés là? C'est même pas un cliché, franchement c'est la première fois que j'entends ça. Couloir, t'es contente? T'as mis tout glissé dans la poche. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Déjà, là, ça me tend. Je me sens agressée. J'entends tout le monde tous les 5 minutes. Voilà, donc c'est la fille qui cherche à être la plus populaire du lycée. Et moi, je suis la personne qui ne cherche pas à être populaire. Et bien sûr, je réussis à l'être sans souci. Tout le monde ne parle plus que de toi et de ton idée. Tu es contente. Tu te sens importante maintenant, peut-être. Tu es jalouse. C'est la loose. J'ai toujours été importante. C'est bien ça. C'est bien ça. Elle est bonne celle-là. Ce n'est pas ton avis qu'on demande lorsque le lycée doit préparer quelque chose, mais celui de mon frère. Retournez voir les garçons. Donc lui il était dans la cour. Est-ce qu'il fait du sport? Absolument pas. Est-ce qu'il est au club de jardinage? Je ne crois pas. Donc s'il n'est pas dans le jardin, je vais retourner dans le sous-sol. Ah vous êtes là, devinez quoi, j'ai trouvé un batteur et un guitariste. Tant mieux, je viens d'avoir mon ami au téléphone, il ne veut pas jouer. T'as trouvé qui? Armin et Rhys. Ça va, tu as pris personne insupportable, je pensais... Jamais te dire ça un jour, mais bien joué. J'ai l'impression d'avoir un nombre illimité de PA. Il va jouer quoi? De la batterie? Tu plaisantes? La seule batterie qui est à laquelle il s'est tapé, c'est celle de... Il est parti de la salle en courant. Mais il y a un problème. Il sait pas jouer de batterie. Armin, quel menteur. Alors là, on nous ment. On nous ment. C'est fou ça. Tout le monde est au sous-sol. J'hésite à aller voir ce qu'il se passe. Ah gros clash. Gros clash au sous-sol. Armin, Lisandre, Castiel, Iris, Alexis sont tous ici. Les garçons ont l'air dépités. 2% avec Armin, c'est pas beaucoup. Mais enfin Armin, tu ne peux pas jouer avec ça. C'est un truc de jeu vidéo. Mais moi j'accepte la diversité. Même techniquement ce n'est pas faisable. Et nous aurions l'air de sombres crétins. Armin a amené sa panoplie de guitares héros. Voilà ce qui se passe. Un jeu vidéo où la manette est une batterie ou une guitare. Et tu ne veux pas jouer de la vraie batterie, Armin? Il n'y a que 4 endroits où taper sur ce jeu. Une vraie batterie, ça me semble plus compliqué. Je n'ai pas envie de m'embarquer dans un truc que je ne maîtrise pas. Et il a raison. On est mal, tu es sûre... Mais jouer tout seul? En quoi c'est un problème? Tu es sûre d'avoir demandé à tout le monde? Bien sûr, puisque je te le dis. Enfin, sauf à Ambre et ses amis. Et tu as demandé à Nathaniel, pardon? Ah, oh, je suis sûre il fait du piano. Bah moi je dis, Castiel il est hyper chiant. Genre vraiment c'est peut-être... Je suis floue. Si Nathaniel a des notions en batterie et qu'il accepte, Castiel fera avec. Il est temps qu'ils grandissent un peu tous les deux. C'est un peu trop leur demander. Là je vais essayer d'être avec Lisandre parce que Castiel il me saoule. Alors, d'ailleurs... Tu as déjà joué à Guitar Hero? Non, jamais. Oui, je suis une pro. Donc soit je sympathise avec lui, soit non. Bah allez, hein, je suis une pro. Hein. Je sais pas si j'ai baissé ou pas. J'ai pas vu. Ah ouais? Moi qui voulais t'apprendre. Allez, jouer, c'est raté. Ah là là, mais je suis trop nulle. Tu as demandé à d'autres idiots. Oh, mais il me saoule, lui. Tu as vraiment lui demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Oui, bien sûr, est-ce que j'ai vraiment le choix? Ouais, tu pourras dire que tu as été lui parler sans vraiment le faire. Ce n'est pas mon genre, tu sais. Tu devrais changer la façon de faire dans tous les cas parce que si ce crétin... Bon, il est chiant, mais il est chiant.